Bienvenue ici. Et puis, on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Je vais la réciter plus courte parce qu'on m'a fait à juste titre la remarque que c'était un peu long parfois. Mais c'était une critique qui partait dans un très bon esprit, hein. Ça vient surtout de Fred, de Montchardon, qui m'a dit ça l'a fait beaucoup rire parce que il s'est rappelé le nombre de fois où l'Amatonzan râlait quand les maîtres invités faisaient des trop longues prières. Donc il m'a dit surtout fais pas ça parce que ça va être trop long. Bon, bref, ça c'est pour le gag. Mais donc, on va faire la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et puis ensuite on rentre dans la pratique de l'écoute et du don du dharma. Simchen tam je deva tam de jodam dam bai ju dunga dam dunga je jodam tarai ju dunga me de deva tam bai tam min tarai ju Nyerin shana. Tantan chave tanyan chambala nam parai juru ji. Pandem chave lama jemba jeta jeje wopene de shunala. Kadin chembu gome che chonte kusum toge ngotro chanto chanto. Sāyacchē pācchācchā mē-tā-tā-rē-rā-līng-chī-nī-dē-jīn-pā-dē Sāṅgē-chīng-tō-mīng-dē-pū-vā-yē-chō-gā-nāṁ-dā-chīng-bā-chū-bā-yī-shū. Alors, je vais te mettre ça. Ah, attends, je vais te l'apporter. Non, non, c'est bon. Pour l'aération. Comme ça, peut-être il soufflera. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va commencer cet enseignement toujours autour du Tiedo Nedu. La dernière fois, on a laissé temporairement de côté l'enseignement parce que c'était l'occasion de l'Assemblée générale. Et donc, là maintenant, on peut reprendre le fil de cet enseignement. Alors quand je dis le fil, je le rappelle, hein, mais je le dis toujours parce que c'est bien de rassurer, de préciser les choses en disant que certes c'est le fil, mais qu'on ne rate jamais rien, étant donné que chaque partie vaut pour elle-même. Et donc en guise de rappel de ce que l'on a fait il y a donc 15 jours, vous vous en souvenez certainement, on a beaucoup parlé de la double collection. La double collection, c'est le regroupement de dispositions positives ou de sagesse intérieure aussi, et puis de sagesse primordiale. Parce qu'il y avait ce fameux passage, je vous recite ce passage du texte de Jhongon Kontul, le Kiezo Nedu, les points essentiels de la pratique de la phase de création et de la phase de parachèvement de la visualisation. Ce passage nous dit, grâce à la voie du mantra et ses nombreuses méthodes dénuées de complexité, un individu aux facultés aiguës, doué d'un grand discernement, pourra parfaire la double collection, les deux accumulations, en toute activité et rien ne lui sera inutile. Alors, c'était un passage, c'est toujours d'ailleurs au présent. C'est un passage important parce qu'il y a cette dernière phrase qui est vraiment fondamentale en disant « Et rien ne lui sera inutile ». Alors pour autant, évidemment, qu'on soit un individu, on l'avait vu, avec des facultés aiguisées. Les facultés aiguisées, bon, Rinpo en tibétain, au sens littéral d'ailleurs, ça veut dire faculté aiguisée, mais ça veut dire une certaine intelligence. Je pense que c'est un mot important ici dans ce contexte parce que c'est aussi quelque chose que l'on entend toujours dire dans une tradition vivante, dans les instructions de la voie des yogis, où il est tout le temps question d'être intelligent par rapport au dharma. Intelligent, ça ne veut pas forcément dire être brillant ni habile dans des grands développements
intellectuelle, mais intelligente, c'est l'intelligence du dharma, c'est-à-dire c'est la réflexion qui va nous permettre de mettre en pratique le dharma d'une manière efficace dans toutes les situations. Cette idée d'intelligence au service du dharma, elle est d'autant plus importante que dans le Vajrayana, on parle vraiment de la voie des moyens. Alors, on peut peut-être se demander pourquoi, principalement dans le Vajrayana et pas dans d'autres. Alors, évidemment, ce n'est pas pour dire que dans le Theravada ou Hinayana, il n'y a pas besoin d'intelligence, puis il y a besoin de beaucoup d'intelligence dans le Vajrayana. Là, ce serait se tromper. Mais, par contre, une chose est certaine, c'est qu'à partir du moment où on est dans une vision, qui est la vision du Vajrayana, où l'on peut vraiment faire feu de tout bois, c'est ce qu'on appelle l'âme-kher en tibétain. L'âme-kher, l'âme c'est le chemin, kher c'est prendre. Donc c'est toute cette idée d'intégration. On est vraiment dans une pratique, on pourrait dire intégrative, ou une pratique d'intégration. Pour dire qu'effectivement, oui, on peut faire feu de tout bois. Et on le verra, les instructions sont claires. Même les émotions les plus difficiles auxquelles on est confronté, sur le chemin du Vajrayana, elles ne sont pas inutiles. Alors, après, là je dis chemin du Vajrayana, mais d'une manière plus large, on peut tout à fait comprendre que dans le chemin, qu'il soit Vajrayana ou pas Vajrayana, tout ce que l'on rencontre est forcément utile. Ça l'est forcément parce que de toute manière, la vie va nous amener à faire un nombre d'expériences qu'on n'a pas choisies, en général, car on ne s'est jamais dit qu'on allait vivre ceci ou cela dans 3 jours, par exemple. Simplement, il se trouve que dans 3 jours, on va vivre quelque chose. Je ne sais pas du tout quoi, mais on va vivre. Chacun va vivre des choses. Il y a dans ce domaine de l'imprévu de l'existence, qui est la nature même de l'existence d'ailleurs, eh bien, il y a sans cesse des situations nouvelles auxquelles on est confronté. Et on comprend bien que l'intelligence spirituelle, ou l'intelligence du dharma, elle va être nécessaire parce que soit on s'achemine vers l'idée et une vision du monde qui considère qu'un certain nombre d'expériences sont favorables et un certain nombre d'autres expériences ne le sont pas. Mais dans ce cas-là, c'est une vision assez étroite, parce qu'on n'est jamais certain de pouvoir faire dans un certain nombre de jours une expérience favorable par rapport au dharma. Du point de vue du dharma, tout est favorable. Mais ça l'est d'autant plus dans le contexte du Vajrayana, où la notion de code, même si elle existe, elle est beaucoup plus intérieure. Dans le Vajrayana, on parlera des samayas, on parlera des liens initiatiques. On pourrait dire que la discipline éthique du point de vue du Vajrayana, elle se situe surtout au niveau des samayas. Maintenant, on le voit dans les traditions, par exemple, yogiques, qui sont très présentes au Tibet, mais qui étaient déjà largement présentes en Inde, avant que le bouddhisme ne disparaisse de l'Inde, mais à partir du 3-4e siècle, mais peut-être avant, peut-être toujours d'ailleurs. Mais je dis 3-4e siècle parce qu'il y a une montée en puissance de toute cette tradition des yogis, et des yoginis d'ailleurs, et on va arriver après avec les grands Mahasiddhas, et ce sera le 8e, 9e, 10e siècle. Voilà, là c'est un peu l'âge d'or. Donc le Tibet va être l'héritier de cette tradition, mais dans cette tradition, il y a une volonté de transgression des règles, de transgression des codes de conduite. Mais du coup, cette transgression, elle doit s'accompagner d'une grande intelligence. Ce n'est pas la transgression, on pourrait dire, de type adolescente, où il s'agit de contester pour contester, pas du tout. C'est l'idée d'un dharma qui va devoir être réfléchi, qui va devoir être pensé, mais hors d'un formalisme rigoureux qui va nous dire que ceci est bon, ceci est mauvais, mais plutôt dans une approche où l'idée même de ce qui est vertu ou non vertu, eh bien, elle est chaque fois réévaluée en fonction de la motivation, en fonction du contexte, etc. Et c'est là où il va être question d'intelligence. C'est un point très important, en fait, parce qu'on le voit dans n'importe quel contexte. Si on prend un auteur classique comme Pacho Jinpoche, qui est vraiment cette figure importante du 19e siècle au Tibet, qui est un maître particulièrement dérangeant pour certains, parce que répondant à cette tradition de remise en question de l'ordre établi, mais parce que mu par une immense exigence spirituelle, où clairement il va dire les actes, vertueux ou non vertueux, ce n'est pas en fonction de la manifestation et de l'apparence qu'ils ont
qu'ils seront déterminés comme tels, mais c'est en fonction, d'abord et avant tout, de l'intention. Donc, il ne peut pas y avoir d'intention sans intelligence. Et là, on voit qu'en fait, Patrick Gilbertier et beaucoup d'autres font un retour à l'enseignement originel du Bouddha, qui, plus que n'importe qui d'autre, va faire appel à cette intelligence. Va faire appel à cette intelligence pour faire que nous soyons créatifs, en fait, à l'égard de toute situation. Car le Dharma est toujours rendu possible à partir du moment, sa pratique est rendue possible, à partir du moment où on pose sur la réalité un regard qui est un regard éclairé. C'est là peut-être une des caractéristiques les plus fondamentales de l'enseignement du Bouddha, c'est de considérer que la pratique se place dans la vie, au cœur des choses, au cœur de notre existence, dans quelque existence que ce soit, quelque condition que ce soit. Ce serait une erreur de penser qu'il faut attendre les Mahasiddhas pour voir des grands accomplis qui sont des rois ou d'autres qui seront des prostituées, pour prendre deux extrêmes de la hiérarchie sociale. Déjà à l'époque du Bouddha, on le voit converser avec une quantité incalculable d'individus, des maîtres de famille, des marchands, des voyageurs, des rois, des vagabonds, des pauvres, n'importe. Donc pour dire que chaque fois, il fait appel à cette intelligence. Pourquoi faire un long discours sur cette intelligence, on pourra se demander. Mais parce qu'il ne peut pas y avoir, comme il nous le dit ici, Jungon Kuntul, une double accumulation, c'est-à-dire un développement de sagesse intérieure, donc de vertu, et de sagesse primordiale, s'il n'y a pas la capacité d'utiliser toutes les situations au profit de cette double accumulation. Donc c'est un appel clair à notre propre intervention. On ne va pas pouvoir s'appuyer derrière un code moral en se disant « ceci est la vertu, ceci est la non-vertu ». On peut, si on veut, mais c'est une paresse intellectuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne se pose pas la question de la motivation avec laquelle on agit. Si on ne se pose pas cette question, dans ce cas-là, on répond à une dénomination extérieure, à ce qu'on pourrait dire une espèce de bien en soi, qu'on considérerait comme existant, ou de mal en soi, qu'on voudrait rejeter, mais on ne serait plus alors dans un rapport créatif à l'égard de la vertu. La vertu, ce n'est pas une injonction morale, la vertu, c'est une invitation à produire une attitude intérieure qui soit favorable. Elle l'est pour soi-même, elle l'est pour autrui. Combien de fois et j'ai entendu Lama Tonzong dire, mais s'il s'agit de mentir pour sauver un animal, alors qu'un chasseur nous demande par où est passée la biche qu'il est en train de poursuivre, si la biche est passée à gauche, dire au chasseur qu'elle est passée à droite, c'est un acte vertueux. Donc, alors, pour autant, on a menti, on n'a pas dit la vérité. Mais il est encore une fois question d'intelligence. Donc il ne peut pas y avoir de vertu sans une part d'intelligence qui soit mise au service de l'accomplissement de cette vertu. Ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Et d'ailleurs, si on poursuit, on arrive à un passage qui est directement en rapport, c'est clair. Je vous le lis, après on rentre un peu dans le détail. Ce n'est pas l'affaire d'un sot qui entretient des vues erronées, mais celle d'un individu peu attaché à la réalité des apparences. Qui a une foi, une dévotion et une confiance profonde dans la voie des méthodes, s'il est habile à saisir le point essentiel qui transforme ses aspirations, les accomplissements ordinaires et suprêmes arriveront plus vite qu'un invité. Alors là, j'ai un petit doute, je ne sais pas si nous en avons parlé la dernière fois ou pas, il ne me semble pas. C'est un passage lui-même intéressant parce que ça vient faire écho à ce qu'on vient de voir, en fait. Ce n'est pas l'affaire d'un sot ou d'une sotte, hein, histoire de d'en donner pour tout le monde quand même.
qui entretient des vues erronées. Donc voilà. Mais celle d'un individu peu attaché à la réalité des apparences. Là, c'est quand même, on pourrait dire, assez fort ce qu'il nous dit ici. D'abord, bah, c'est très direct, c'est-à-dire on parle de sot, donc de stupidité, en clair. Donc là, c'est pas seulement dire qu'il faut être un individu avec un esprit aiguisé, mais il s'agit surtout de ne pas être stupide, donc clairement. On me dira qu'évidemment les deux reviennent au même sens, c'est pas faux, mais disons que là, ça a le mérite d'être très clair. Mais par contre, et il y a un mais, ce sera celle d'un individu peu attaché à la réalité des apparences. Ça fait clairement écho à ce qu'on vient de voir. Là, on n'entend pas tout le Gépotier qui nous dit « ne te fie pas à l'apparence d'un acte ». Ça, ce serait s'attacher à la réalité des apparences. Penser que la vertu peut être qualifiée de telle parce qu'une personne agit apparemment comme vertueux. Il y a une foule d'histoires dans la tradition populaire tibétaine, comme d'ailleurs chez nous dans nos contrées, que ce soit dans la tradition chrétienne ou n'importe, qui vont toujours nous dire que la vertu n'est pas affaire de piété, n'est pas affaire simplement d'apparence illusoire extérieure. Et elle est toujours question, ou il est toujours question de sincérité du cœur, de justesse et de pureté de l'intention pour qu'une vertu soit développée. Donc là, clairement, ça suppose que la pratique du Vajrayana, elle ne peut pas s'envisager, encore une fois, si on s'attache à la réalité des apparences. On pourrait même aller un peu plus loin, non pas que l'auteur lui-même, mais c'est bien clair que du point de vue du Vajrayana, la réalité des apparences, même du point de vue du Dharma d'ailleurs, cette réalité des apparences est tout à fait relative, elle est tout à fait questionnable. Et on commence à le comprendre un peu mieux, ou parfois, j'en sais rien, c'est variable la compréhension qu'on a, mais on perçoit que dans le Vajrayana, il est question de jouer aussi avec les apparences. On l'a vu quand on parlait de l'identification, et on en parlera toujours, de l'identification de soi-même avec une déité. C'est le propre du jeu des apparences. Mais on ne peut jouer avec les apparences que si on reconnaît les apparences comme étant un jeu. Sinon, on ne peut pas jouer avec les apparences. Sinon, on penserait alors qu'on troque une réalité d'identité pour une autre réalité d'identité. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si on est une déité et qu'on se dit « avant, donc, je suis un jeu, je suis moi, moi Jean-Marc, puis après, je suis moi Chenrezi. » Dans ce cas-là, ça veut dire que je suis dans l'idée qu'il y a d'abord un jeu, puis ensuite il y a une transformation du jeu en Chenrezi. Donc en fait, d'une certaine manière, oui, je joue avec les apparences, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que je fais un peu la même chose que je fais toujours. C'est-à-dire que je m'identifie à quelque chose. L'intérêt des techniques du Vajrayana, c'est pas seulement de dire que je m'identifie à quelque chose, mais c'est de me dire « toute forme d'identité est illusoire ». Ce n'est pas que je troque une identité illusoire pour une autre. Non, en changeant d'apparence, je ne change pas d'apparence. Je change de conception qui est la mienne à l'égard des apparences. Alors, c'est peut-être un peu abscon dit comme ça, mais ça a toute son importance. Parce qu'en fait, imaginons deux secondes, que je sois absolument persuadé d'être qui je suis. Bon, rassurez-vous, je suis assez persuadé d'être qui je suis, parce que si au niveau relatif je ne l'étais pas, ça serait un trouble psychique assez important. Mais, si je suis absolument convaincu de n'être que cela, alors il devient très très difficile de pouvoir envisager être autre chose. D'ailleurs, il peut y avoir des individus qui ont des réelles difficultés avec les techniques du Vajrayana. Il y a des anecdotes qui se racontent, que certaines personnes ont même quitté une retraite parce que l'idée de se visualiser comme une femme pendant 6 mois, on parlait avant de Dorje Pamo, c'était particulièrement difficile pour eux. Donc, c'est presque une blague, je suis incapable de dire si c'est avéré ou pas, cette anecdote, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, du point de vue du Vajrayana, eh ben, c'est pas seulement qu'on passe d'une identité à l'autre,
c'est que l'on s'achemine vers la compréhension que toute forme d'identité est illusoire. Et que donc, si une identité est illusoire, alors une autre identité est possible. Mais ce n'est pas qu'il y en ait une qui soit moins vraie et une autre plus vraie. Ben, si c'était ça, ça voudrait dire je suis moins vrai quand je suis moi et je suis plus vrai quand je suis Chenrezig. Non. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a une pureté qui n'est pas présente en moi. Et il y aurait une impureté qui serait donc présente en Chenrezig. C'est impossible. Ça ne marche pas du point de vue du raisonnement logique. Là, on retrouve tout simplement la Prajnaparamita, c'est-à-dire la vertu de sagesse transcendante, le fameux sutra dont on parlera tout le temps, pendant de nombreuses vies, on est certain, où il est question de dire que les apparences sont la vacuité, que la vacuité est les apparences, qu'il n'y a pas d'autre apparence que la vacuité, il n'y a pas d'autre vacuité que les apparences. Donc, en fait, c'est le fameux forme et le vide et la forme, bon, j'ai un peu de peine avec le terme de forme, parce que, en fait, ça traduit mal l'idée bouddhiste des formes dans son ensemble, c'est-à-dire tout le domaine du sensible. Mais si on gratte un petit peu dans le sens des mots, on va se rendre compte que c'est tout le domaine du sensible est toujours indifférencié de la vacuité. Et il ne peut pas y avoir d'autre vacuité que la manifestation du sensible. C'est une chose assez étrange. Mais en fait, souvent on cherche à savoir où se trouve la vacuité, mais si on est simplement au sens premier du sutra, c'est pas si compliqué. Il suffit de pointer n'importe quel objet, et puis on dit c'est la vacuité, en fait. Vu que tout ce que je perçois est forcément la vacuité. Il ne peut pas y avoir de vacuité hors de ce que je perçois. Il ne peut pas donc y avoir de chenrezi hors de la forme ordinaire qu'est la mienne. Impossible. Ou alors, ça voudrait dire que j'abandonne un je pour devenir Chenrezig. Comme si il y avait un je temporaire qui pouvait faire obstacle à la possibilité d'être Chenrezig. Du point de vue du Vajrayana, ça ne tiendrait pas debout. Et même du point de vue logique, du point de vue philosophique bouddhiste, ça ne tiendrait pas debout. Donc, on voit bien ici que, ben, comme nous dit Jangdung Gotul, tout ça, ce n'est pas l'affaire d'un individu peu attaché, ou disons, beaucoup attaché à la réalité des apparences. Mais c'est l'affaire d'un individu peu attaché à la réalité des apparences. Et c'est parce qu'on est peu attaché à cette réalité des apparences qu'on peut d'autant plus facilement s'adonner à ces pratiques du Vajrayana. Mais peut-être que là, faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Il est peut-être... Alors là, c'est plutôt une remarque personnelle. Une remarque personnelle dans le sens où, voilà, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est aussi important qu'honnêtement, je reconnaisse mes limites dans l'emploi de ces techniques. C'est-à-dire, ça vient me questionner. Il ne s'agit pas juste de dire « je suis un pratiquant du Vajrayana » et puis donc ça veut dire que je suis libre des apparences. Non, ça vient me questionner en me demandant si je suis libre des apparences. C'est-à-dire que l'emploi de ces techniques, eh bien, a priori, il devrait même être un petit peu questionnante. Parce que justement, est-ce que je suis si libre que ça des apparences? Certainement pas. Étant donné que si je prends ce passage au sens premier, au sens propre, on pourrait dire, eh bien, quand même, il y a un aspect de moi-même où je suis absolument convaincu que je vais pouvoir identifier la présence de la vertu en cela et la présence de la négativité en cela. Pourquoi je viens là avec cette remarque un peu plus personnelle? Ben, tout simplement parce que mon expérience de la réalité de mon esprit, quand je dis mon expérience, c'est un « mon » subjectif collectif, c'est-à-dire mon expérience, mais votre expérience, c'est-à-dire notre expérience du rapport aux pensées, c'est pas tellement... un rapport, en général en tout cas, c'est pas tellement un rapport où je pourrais dire que je suis peu attaché à la réalité des apparences. Je suis au contraire, et je suis obligé de le reconnaître dans l'expérience de la méditation, beaucoup attaché à la réalité des apparences. C'est-à-dire que si tout à coup j'ai des pensées que je vais considérer comme extrêmement négatives,
pour les considérer comme extrêmement négatives, je suis donc très attaché à la réalité des apparences. Et je ne peux pas me dire, c'est moi tout seul qui vis ça, personne ne vit ça. Si honnêtement je regarde en moi-même, je rencontre des choses comme ça. Ça fait partie des expériences. D'autant plus dans le domaine de la vie spirituelle. Dans le domaine de la vie spirituelle, c'est le terrain idéal pour développer une dichotomie profonde entre soi-même et la réalité de soi-même. Ce que je veux dire par là, même si ce n'est pas du tout souhaitable, évidemment, mais malheureusement, c'est en menant une vie spirituelle que je peux être amené, à tort, évidemment, à faire la différence entre le pur et l'impur. On peut évidemment comprendre cette distinction quand il s'agit de s'orienter dans l'existence. Tout n'est pas égal à soi-même. C'est clair, il y a des distinctions à faire. Mais du point de vue de ma pratique intérieure, si par exemple je médite et que nous méditons tous et que l'on s'installe pendant 10 minutes, 15 ou 30 minutes, puis que l'on cherche à faire le calme en soi ou à observer la réalité des phénomènes ou de l'esprit, ben on va être obligé d'inclure dans le chemin, d'où l'idée du Lamkel, tout ce qui va s'élever dans notre esprit. Et tout ce qui va s'élever dans notre esprit, ça ne sera pas toujours 24 carats de pureté. Loin de là même. Ça sera des fois des choses extrêmement de bas niveau, très compulsives, dont on n'est pas non plus toujours très à l'aise, hein, très fier. On aura peut-être des fois honte même des pensées qui s'élèvent. Et puis quand on a une intimité suffisante avec les uns les autres, ben, tout à coup on peut se confier et puis on entend d'autres personnes se confier, puis on se rend compte qu'on a des pensées bizarres. Donc la réalité spirituelle, c'est aussi de prendre en compte ces pensées bizarres. Sinon, on risque la dichotomie, c'est-à-dire on risque de penser qu'il vaut la peine de développer la vie spirituelle avec une bonne partie de nous-mêmes, et on ne peut pas la développer avec la mauvaise partie de nous-mêmes. Et du coup, la mauvaise partie de nous-mêmes, en tout cas imaginée telle qu'elle, elle devient obstacle à la bonne partie. C'est un peu comme si le jeu temporaire et ordinaire devenait obstacle à la réalité de Chenrezig. Mais c'est important de réfléchir à ça. C'est-à-dire que moi, je vais continuer à être un individu extrêmement ordinaire. Mais quand je vous dis ordinaire, c'est ordinaire comme vous êtes ordinaire, c'est-à-dire très ordinaire. C'est-à-dire avec des pensées qui sont franchement pas très élevées. Et assez souvent. Mais en même temps, je vais avoir envie de mener une vie spirituelle. Donc, il faudra bien que je fasse la paix quand même avec cette partie-là. Sinon, tout ce que je tâche de faire avec les visualisations, eh bien en fait, c'est comme un désir de pureté que je veux placer sur de l'impureté. Donc je veux mettre du pur là où il y a de l'impur. Mais si je vois les choses en les catégorisant de cette manière-là, alors je m'éloigne beaucoup du sens de ce qui m'est indiqué. Ici, c'est pas de ça. C'est pas d'un tel individu dont nous parle Jungon Gotul. Il nous parle d'un individu peu attaché à la réalité des apparences. Il ne nous parle pas d'un individu beaucoup attaché à la réalité des apparences, qui considérerait qu'il y a une partie pure en lui et qu'il y a une partie impure, et qu'il est question de se débarrasser de la partie impure. Non. Du point de vue de Vajrayana, c'est justement placer de la pureté, on pourrait dire, s'il s'agit de raisonner en termes de pureté et d'impureté, c'est placer de la pureté dans l'impureté qui va faire que l'impureté devient pure. Mais parce qu'elle l'est fondamentalement. C'est-à-dire que les phénomènes mentaux qui sont les nôtres sont dans leur nature absolument purs. On a peur de nos phénomènes mentaux. On a peur de tout ce qui n'est pas identifié comme étant la pureté. Ça, c'est possible, c'est même normal. Mais notre peur vient de nos catégories, elle ne vient pas des phénomènes. La pensée, quelle que soit la pensée, sa nature, elle est vacuité, elle n'a pas de réalité propre. Elle a la réalité que je lui donne en la pensant. Mais donc, si je me visualise comme Chenrezig,
En fait, je suis en train d'admettre qu'elle n'a pas de réalité propre. C'est-à-dire, je suis en train d'admettre que le je, porteur de toutes ces pensées négatives, peut devenir Chenrezig. Il le peut, même avec ces pensées-là. Donc, le message est très fort, en fait. Il ne dit pas, la pratique ne dit pas, tu peux devenir Chenrezig une fois que tu n'auras plus ces pensées-là. Non. Il y a quelque chose, Agathe souvent me le rappelle, et c'est une magnifique instruction de Karmapa, qui dit dans le domaine de la pratique, tout est parfait. Et c'est absolument ça, finalement. C'est-à-dire que le Vajrayana qu'on voit décrire ici par Jhongkon Kontul, c'est parfaitement en lien avec cette instruction. C'est-à-dire que dans le domaine de la pratique, tout est pur, tout est parfait. Il n'y a rien à redire. C'est-à-dire même la pire des pensées qu'on peut avoir, elle a sa place. D'ailleurs, on le voit bien dans les représentations du Vajrayana. Si on prend, je ne serais pas du tout autorisé à vous faire une description des mondes, des manifestations courroucées, mais franchement, disons, le Seigneur des Anneaux, c'est gentil, quoi. Très gentil. Donc, on voit bien que la part, on va dire, d'horreur ou de ce qui nous fait horreur en nous, elle est inclue dans ces mondes. Elle est inclue. Et à juste titre, d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce passage qui me semble extrêmement important. Dans le même passage, on dit « Qui a une foi, une dévotion et une confiance profonde dans la voie des méthodes ?» La voie des méthodes, c'est Tablam, c'est le Vajrayana, donc. « S'il est habile à saisir le point essentiel qui transforme ses aspirations, c'est-à-dire qui transforme la limite de ses aspirations, donc où on va faire que une aspiration ordinaire devienne une aspiration extraordinaire pour le bien d'autrui. » Là, on peut penser à Shantideva qui nous dit ben, « Vous voulez faire votre propre bien, alors faites le bien d'autrui. » C'est magnifique comme manière de dire. C'est une parfaite transformation des aspirations. Il ne nous dit pas « Ne sois pas égoïste et sois généreux. » Il nous dit « Tu veux être généreux? Alors fais le bien d'autrui. » Je veux dire « Tu veux ne pas être égoïste? Alors, ou tu veux faire ton propre bien? Tu veux vraiment être égoïste? Alors fais le bien d'autrui. » Donc, il transforme les choses. C'est déjà, et pourtant, alors, hein, le Bodhisattva-avatara, on ne peut pas dire que ce soit un texte intrigue, hein, vraiment pas. Ben, moi, de plus en plus, plus ça va, moins je vois de différence entre la tradition des sutras, entre la tradition du Mahayana et la tradition des tantras. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose, évidemment, parce qu'il y a des formes différentes, mais franchement, plus on creuse, on s'intéresse au sens des textes, et au sens de la pratique, eh bien, franchement, quand Shantideva dit « tu veux faire ton propre bien », c'est-à-dire en fait tu veux te concentrer sur toi-même et ton seul nombril, eh bien dans ce cas-là, fais le bien d'autrui, il est déjà dans une attitude tantrique, en quelque sorte. Il ne nous dit pas « abandonne, deviens pur, et comme ça, donc tu pourras accéder à la pureté », c'est-à-dire « débarrasse-toi » de ton aspect impur pour devenir pur, il nous dit quoi? Il nous dit « travaille avec ton aspect impur pour devenir pur ». C'est très différent. T'es égoïste? Alors parfait, tu veux faire ton bien? Alors fais le bien d'autrui. C'est ça qu'il nous dit. Alors évidemment, c'est une logique qui nous dépasse un peu, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça, mais si on entend Gampopa, c'est à peu près pareil. T'as beaucoup de pensées? Parce que c'est à peu près ça qui dit, ah ben très bien, tu auras d'autant plus de chances de pouvoir alors réaliser la véritable nature de l'esprit. Parce que tout ça, c'est du bois qu'on met dans le feu. Et vraiment, on serait étonné de voir qu'il y a dans la littérature des sutras, pourtant donc du bouddhisme ancien, déjà cette idée. Elle est transversale dans tout le bouddhisme. Il y a toujours cette idée du lotus qui va être blanc et resplendissant au moment où il s'épanouit et qui pourtant aura pris racine dans la base. Ça, ce n'est pas une invention du tantra. Le tantra va reprendre un symbole, qui est le symbole du lotus, et ce symbole du lotus, il est déjà largement présent dans toute la tradition des sutras, clairement. Donc, là, si l'on a cette foi, cette dévotion et cette confiance profonde dans la voie des méthodes,
c'est-à-dire dans les méthodes qu'on utilise, les prières. C'est quoi la voie, les méthodes? Tablam. Quand on parle de tablam, moi je me rappelle toujours Lama Tsongpo qui, en retraite, c'était magnifique. Parce que souvent, ben voilà, on faisait des tormas, mais quand je vous dis des tormas, c'est-à-dire on passait des heures à faire des milliers de tormas. Donc on fait des gâteaux, puis en plus on les fait vraiment avec soin, en faisant des tas d'ornements, après on les offre, et puis après, l'instant d'après, on les défait, on les détruit. Donc je veux dire, il y a un côté, et puis, ouais, qui est presque incroyable, tellement on en fait, tellement c'est énorme les quantités qu'on doit en faire. Et donc, entre nous, on avait assez coutume de parler de travail, quoi. Bon, il y a encore du travail à faire, il y a des tormas à faire. Et bien souvent, Lama Tsongpo, qui comprend suffisamment le français, il nous reprenait là-dessus. Il nous disait, mais vous n'avez rien compris, c'est pas du travail, c'est de la vertu. Et si vous ne comprenez pas que c'est de la vertu, ben ça restera du travail. Si vous comprenez que c'est de la vertu, ça ne sera pas du travail. Donc, c'est vous qui allez donner le sens à ça. Soit c'est du travail, dans ce cas-là, c'est du boulot. Et puis, vous faites du boulot, puis il y a donc la vraie vie après le boulot. Et donc, ça veut dire que la vraie vie, c'est les sessions, hein, par exemple, quand on est en retraite. Puis avant, ben, c'est préparation pour les sessions. Ou alors, on voit les choses d'une manière beaucoup plus tantrique, si on veut. Puis on se dit, chaque acte, c'est de la vertu. Donc, Lama Tsongpo, avec une patience infinie, eh ben, il m'a montré comment il fallait nettoyer un seau. Un seau avec plein de pourri dedans, gratté avec les ongles. Ça pouvait paraître drôle ou inutile, mais en fait, il y avait, moi je l'ai compris sur le moment, comme d'abord un acte d'une très grande générosité de sa part, parce que c'est un maître qui montre. Puis en fait, c'est un maître qui me montrait que dans les choses les plus impures, les plus ben, pas forcément ragoûtantes, et puis qu'on n'a pas forcément envie de faire, il y a une possibilité de faire, il y a une possibilité de mettre la main dans le cambouis au sens propre, dans la pourriture du fond, du seau qui récolte les tormas, de pouvoir nettoyer ça, et qu'à travers un geste comme ça, il y a une possibilité d'accomplissement de vertu. Alors, je pourrais vous faire une grande explication théorique sur la voie des moyens, tablam, et puis faire une espèce d'inventaire de la voie des moyens, mais voilà, moi j'ai envie de vous donner cette image-là, parce que cette image-là, c'est l'image de nous, qui tous les jours devons faire ben, des choses tout à fait ordinaires. Il y a un magnifique livre de Jack Canfield, qui ne me rappelle plus exactement du titre de son livre, mais c'est du genre « Après le Dharma, la lessive ». C'est ça? Voilà, c'est Agathe qui me donne le titre. « Après le Dharma, la lessive ». Il y a quelque chose, alors je n'ai pas lu ce livre, parce qu'il y a beaucoup de livres à lire, mais celui-ci doit être très intéressant, et c'est vrai que ça m'a toujours donné envie de lire. Mais rien que le titre, je le trouve génial, parce que oui, bien sûr, il y a quelque chose de vrai dans cette voie des méthodes, dans cette voie des moyens, qui fait que tout est bon sur le Dharma. Donc, voilà, bon, j'allais faire un gag avec « tout est bon dans le cochon », mais c'est pas ça. Mais tout est bon vraiment dans le Dharma. Et donc, la fin de ce passage, c'est « si il est habile à saisir », donc « si il, elle, évidemment, est habile à saisir le point essentiel qui transforme ses aspirations, eh bien, dans ce cas, les accomplissements ordinaires et suprêmes arriveront plus vite qu'un invité. » Et là, juste un point d'explication pour bien comprendre l'image, « arriveront plus vite qu'un invité », parce que dans tous les rituels tantriques, on a toujours une partie d'invitation. On invite, on convoque, très souvent, dans tous les rituels. Par exemple, Tara. Tara, c'est Dolma, Nyurma Pamo. Nyurma Pamo, Nyurma, c'est la véloce, la rapide. Elle a déjà, d'ailleurs, le pied droit qui est posé dans la posture des bodhisattvas. Pourquoi? Parce qu'elle est prête déjà à se lever. Donc elle a déjà la posture des jambes défaites, pour pouvoir plus vite se lever et courir à notre appel, répondre à notre appel quand on l'appelle. Donc on a toujours dans le Vajrayana cette idée des invités. On est toujours en train d'inviter. On le voit dans la pratique de Chenrezi, on invite. On est Chenrezi, ensuite de la lumière émane, cette lumière invite les aspects purs qui viennent se fondre en nous, etc. La structure est à peu près toujours la même dans tous les rituels de Vajrayana. Mais il y aura donc toujours cette invitation, et qui est une fois de plus extraordinaire, parce qu'on invite à partir de qui on est. C'est-à-dire, c'est notre individu ordinaire, ou c'est notre individu perçu dans un mode plus pur, donc sous la forme d'individu, mais qui va inviter. Donc on invite, et cette invitation,
c'est toujours l'idée de quelque chose qui va venir fondre en nous-mêmes. Donc là, les accomplissements ordinaires et suprêmes arriveront plus vite qu'un invité. Donc, c'est une manière d'utiliser cette image, parce que tout cela, bien sûr, se fait à la vitesse de la pensée, effectivement. Hein, c'est pas que ça prenne du temps pour tous les Bouddhas de venir se fondre en nous. On peut faire durer le plaisir, c'est possible dans la visualisation, mais ça se fait au moment même où on le pense. Donc, ça va vite, la vitesse de la pensée. Et ici, ben, c'est les accomplissements ordinaires et suprêmes. On voit deux types d'accomplissements. Pourquoi ? Parce que le premier des accomplissements ordinaires, ou les accomplissements ordinaires, c'est toutes les qualités, par exemple, supramondaines qu'on peut développer, les dons, les qualités de double vue, de prescience, etc. Donc ça, c'est pour les qualités ordinaires, les accomplissements ordinaires. Et puis suprêmes, c'est tous les accomplissements qui vont nous permettre de réaliser la véritable nature de l'esprit. Donc là, en fait, si on a cette foi, cette confiance profonde, cette dévotion dans la voie des moyens, qu'on sait faire donc feu de tout bois, que l'on n'entretient pas de vue erronée et que l'on est peu attaché à la réalité des apparences, donc, si c'est comme ça, si on est un tel individu, ouvert, créatif, prêt à faire la part belle aux choses en soi qui ne sont pas forcément les plus belles, mais en se disant que c'est toujours une leçon, c'est toujours un rapport vers soi, c'est toujours une invitation, par exemple, à beaucoup de bienveillance à l'égard de soi-même. Comment puis-je être ouvert à l'égard de ce qui me dérange en moi-même? Est-ce que je peux être ouvert? Est-ce que j'ai cette capacité? C'est déjà aussi la voie des moyens. Et si je suis ouvert à ça, c'est-à-dire à m'ouvrir à ce que je n'ai pas envie, à m'ouvrir à ce qui en général me donne plutôt envie de fermer la porte, je fais un très très grand pas, en fait. J'ouvre vraiment la porte. Donc je peux ouvrir la porte à l'égard de moi-même, vraiment. Je peux, tout à coup, être Chenrezig, en étant cette personne aussi vile, aussi impure. Je ne suis pas perdu. Moi aussi, j'ai ma chance. Il y a quelque chose de... fondamentalement généreux dans ces moyens. Incroyablement généreux. Et cette générosité, on pourrait dire qu'elle est récompensée, en fait. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas présenté comme une récompense. Mais si l'on est habile à saisir le point essentiel qui transforme mes aspirations, les plus ordinaires en les plus sublimes, eh bien alors les accomplissements ordinaires et suprêmes arriveront plus vite qu'un invité. C'est-à-dire sans même avoir besoin de les appeler, ils seront déjà là. Tout sera déjà là. Voilà, donc... Le dharma et le vajrayana d'une manière plus particulière, spécifique, mais le dharma me donne, et c'est comme ça surtout que je le comprends là au moment où je l'explique. Alors après, bon, chacun, vous allez le comprendre à votre manière aussi, bien sûr, mais moi je le comprends comme quelque chose d'éminemment, de profondément et de fondamentalement bon. C'est-à-dire, en fait, je parlais avant de l'amker, la voie prendre dans le chemin. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas seulement prendre dans le chemin, mais c'est la possibilité de me prendre dans le chemin. C'est-à-dire, c'est moi qui suis inclus dans cette histoire-là. Ce n'est pas seulement moi qui inclus, mais c'est moi qui suis inclus. Qui que je sois, tel que je suis. Et alors, je peux obtenir les deux formes d'accomplissement. Voilà, c'est l'heure. Donc j'arrête là. Voilà, on va faire une dédicace, bien sûr, on va dédier...
tout ce que le Dharma nous inspire est pour le bien de tous les êtres, sans aucune exception. Sonam diye tamse zimpan tomne niyete tanam pamjen kega nasya bala drupay sipe solde drupa drupara shum. Voilà, merci vraiment du fond du cœur à vous toutes, vous tous. Bah, d'abord, merci pour votre présence. Je le répète tout le temps, mais vraiment, j'ai un plaisir sincère à le dire, parce que vous toutes et tous, vous nous permettez de faire exister ces rendez-vous. C'est vraiment très important. Ça nous donne l'occasion de partager le Dharma, de vivre le Dharma ensemble. C'est vraiment une belle chose. Merci aussi beaucoup pour votre soutien. Je pense aux offrandes qui sont faites par les unes, par les autres. C'est précieux, c'est un soutien vraiment... De qualité, important, c'est aussi une manière de pratiquer, donc merci beaucoup. Et puis j'en profite aussi, je ne prendrai pas longtemps, mais pour vous dire déjà que nous avons, vous allez bientôt recevoir un mail qui précisera le programme des 5 et 6 décembre avec Lodjo Rabsa Rinpoche, qui donc enseignera depuis le Népal, moi je traduirai depuis ici, et c'est un événement qui est conjoint, c'est-à-dire qu'il est organisé avec mon chardon, qui sera placé par mon chardon comme une des activités qu'il propose, et donc, mais organisée par le centre de Genève. Donc je vous le dis déjà, ça nous donne l'occasion avec Salva, pour certains vous connaissez Salva, donc on est en train de travailler sur le site pour perfectionner justement la page consacrée aux dons. Salva fait un travail technique de qualité, donc voilà, donner quelques nouvelles. Vous recevrez toutes ces nouvelles de manière plus détaillée par mail. Voilà donc pour aujourd'hui l'information que je voulais partager avec vous. Merci encore et puis à tout bientôt. On a 3 rendez-vous par semaine, donc ça sera peut-être lundi prochain que je vous retrouverai. Et sinon, mercredi matin pour les lève-tôt, disons 8h, c'est pas si tôt. Et sinon, mercredi soir prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment, Lana. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et j'en profite pour remercier Patricia qui a eu la gentillesse de corriger le titre du livre qui est Après l'extase, la lessive. Puis, après lessive, l'extase. Après l'extase, la lessive. Après l'extase. Merci beaucoup. Après l'extase, la lessive. Tout à fait. Ok. Alors à bientôt et puis bonne extase. Merci. Après votre lessive. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.